Invité France Podcast, podcaster France, de bons résultats malgré la crise par Aurélien Devernoux à micro RFI. Cela fait trois mois que l'entreprise de transport aérien Air France KLM cherche un nouveau PDG, cependant les résultats financiers restent au beau fixe. Yann De Rocle, analyste chez Oddo BHF, groupe financier franco-allemand, nous explique pourquoi. Sur le même sujet économie-transport, les droits aux indemnisations des passagers aériens explosent, en savoir plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, nette accélération de l'inflation en France. Une nette accélération de l'inflation a été constatée en France au mois de juillet, avec une progression de 2,3%. Elle est essentiellement Édouard Philippe face à deux motions de censure, décryptage de Didier Maos. Le gouvernement d'Édouard Philippe doit faire faire à deux motions de censure à l'Assemblée nationale en lien avec la gestion par la loi sur le harcèlement suite à l'agression à Paris d'une jeune femme, frappée au visage pour avoir insulté un homme qui la harcelait, la secrétaire, l'éclipse totale de lune la plus longue du 21e siècle. L'éclipse totale de lune la plus longue du 21e siècle a lieu ce vendredi. Pendant près de 4 heures, la lune se retrouvera alignée avec le canicule. Comment repenser la ville de Paris ? L'Île-de-France et 10 autres départements français sont placés en vigilance orange. En cause, un nouvel épisode de canicule. Les villes, décryptage, affaire Benalla. Emmanuel Macron rompt le silence dans l'affaire Alexandre Benalla, ce proche conseiller du président Macron impliqué dans des violences lors des manifestations du 1er mai. Le chef, 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que.